Mon nom c'est Louamna Pau Bakero. J'habite à Nice et je enseigne à Nice également. Je suis née à La Havane, à Cuba, depuis toute petite. Je suis dans les milieux folkloriques parce que mon père, Domingo Pau, c'est le premier danseur du ballet folklorique national de Cuba. Donc, depuis toute bébé, mon père m'a amenée à la compagnie. J'ai dansé la première fois, j'avais 8 ans, où j'ai commencé ma carrière, on va dire. Après, j'ai démarré les études à l'École nationale des arts à La Havane, où j'étais diplômée. Et plus tard, j'ai intégré la compagnie Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, où je suis devenue danseuse soliste de la compagnie. Voilà, dans laquelle j'ai beaucoup tourné dans différents pays. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenue danseuse professionnelle et professeure de danse folklorique et contemporaine également. À l'école de danse, ce que j'ai appris, c'était les techniques. Parce que dans les danses afro-cubaines, même si c'est plutôt, ça vient des racines, ça se danse dans la rue, ça se danse un peu partout, il y a des techniques spécifiques pour pouvoir y arriver, si tu veux, à danser, parce que les différentes manifestations, parce qu'elle est très riche, hein, la culture noire, elle est riche, très très riche, il y a beaucoup de diverses manifestations. J'ai appris également à l'école, on apprend les techniques de la danse classique, contemporaine, qu'après, si tu veux devenir un danseur professionnel, danser dans une compagnie, c'est un atout important. Tu ne peux pas venir de la rue pour intégrer une compagnie. Donc, ce que j'ai appris à l'école, c'était ça. Après, pour danser comme je danse, c'est dans la rue. C'est l'expérience, ça vient vraiment dans les quartiers, dans les tambours, dans la rue. Ça ne s'apprend pas dans l'école. Je pense que le fait des Européens venir à Cuba et voir comment nous, à Cuba, on vit, on danse, tous ces danses traditionnelles, la rumba, l'afro-cubain, et je pense que ça a beaucoup fait appeler la curiosité des Européens. Donc il y a beaucoup aussi de Cubains ici maintenant en Europe. Et nous, afin de ne pas perdre notre culture, notre tradition, on a développé aussi cette culture, notre culture. On l'a développée ici, on a fait appel aux Européens à connaître notre réalité en fait. Hein. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, aujourd'hui, les gens en Europe s'intéressent énormément à notre culture. Quand je monte sur scène, j'essaie de transmettre au public les sentiments de ces danses afro-cubaines parce qu'il n'y a pas que les mouvements corporels. Dans ces danses, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'actuations. Il faut vraiment se mettre dans les personnages. Et quand je danse, par exemple, comme hier ou hier, j'essaie de transmettre au public qu'il y a toujours un message. Oya, par exemple, c'est la déesse de la tempête, du vent. Donc, elle est toujours, comment t'expliquer, elle est toujours avec envie, elle donne le respect. Et c'est ça que moi, j'essaye de transmettre au public. C'est grand, c'est quelque chose que... C'est plus fort que moi, en fait, voilà, quand je danse. Oh, yeah.
quand j'ai commencé mes études, je le faisais par amour. Amour. Mais mon sentiment à travers la rumba, l'afro-cubain, les palos, c'est quelque chose qui est né avec moi. Au début, pour moi, mon but, c'était de devenir une des danseuses les plus connues dans le milieu de Cuba. Voilà déjà, être connue dans mon pays. Après, bon, avec les tournées, ça est devenu. Je n'ai pas refusé. Mais non, mon but, c'était vraiment d'être connue à Cuba. À Cuba, où je suis née, où ils sont mes racines, où les gens ils connaissent vraiment pourquoi et comment on danse. Donc bon, après, maintenant que je suis en Europe, c'est vrai que c'est important, je pense. C'est important que les gens ils connaissent la vérité des choses par rapport aux danses et à notre culture. Et oui, voilà, maintenant, internationalement, bravo, les gens, ils s'apprécient. Et moi, j'apprécie également que les gens ils respectent ce que nous, on veut transmettre. Mon impression à Strasbourg, elle est bonne, super, méga. Parce que je vois l'intérêt que vous portez à notre culture, c'est extraordinaire. Franchement, je vois avec les sentiments que vous dansez, que vous vous intéressez à ce qu'on fait, c'est magnifique. Je me bats pour que les gens ils comprennent qu'on a des choses riches à leur donner. Ici à Strasbourg, on voit que vous êtes affamés d'apprendre, de savoir, de connaître. Et ça, c'est extraordinaire pour nous, les profs. Voilà.